Bé, reprenem doncs, esperant a que arribi tothom, reprenem aquest segon dia del programa de la vida de les històries, el testimoni filmat. Molts de vosaltres éreu ahir aquí i va ser un dia molt intens que va acabar tard a la Filmoteca amb dues projeccions. Recordo que avui tot el dia, així com ahir vam estar aquí, després vam estar a la Tàpies, després a la Filmoteca, avui totes les xerrades tindran lloc en aquesta mateixa sala, excepte la projecció i el debat a les 12 de la pel·lícula de Drans Sévenir, d'Arnaud de Palière, que tindrà lloc a l'Aula Magna perquè les condicions acústiques i de projecció són molt millors. Així que no està indicat el programa, però a les 12 la pel·lícula es projectarà a l'Aula Magna i estarà seguida pel debat amb l'Arnau Vilaró i l'Arnaud de Palière, que és el director de la pel·lícula. I a la nit, a 2:15, com ahir, hi haurà la projecció d'una pel·lícula, de la pel·lícula inèdita aquí a casa nostra de David Perloff, Records del procés Eichmann, que serà presentada per la seva filla i també cineasta Yael Perloff i per Liat Benavid, que parlarà després de la Susana. Bé, havíem convidat a Francisco Algarín a presentar la Susana de Sousa Díaz aquest matí, ja que és algú que des de la revista de cinema Lumière ha seguit de molt a prop la seva obra, però malauradament no ha pogut venir, finalment no arribarà fins aquest vespre, de manera que m'ha enviat un text perquè llegeixi el nom seu. Un text que s'ha hagut de retallar perquè era molt llarg i no donarà temps, però en llegiré alguns fragments. Passa una cosa molt curiosa amb aquest text, és que el Francisco Algarín l'havia preparat fa temps quan el van convidar a presentar la pel·lícula 48 de la Susana de Sousa Díaz a Sevilla i en aquella ocasió també a l'últim moment no va poder presentar la pel·lícula. De manera que ja és la segona vegada que l'ha de presentar i no pot fer-ho. Estic contenta llavors de poder-ho fer el seu nom. Diu, ho llegiré en castellà perquè l'ha escrit en castellà. Diu, en la época en la que Susana de Sousa Díaz era estudiante de pintura, recibió una invitación de la televisión portuguesa para la que hizo tres documentales en 16 milímetros. Estas eran películas formadas por entrevistas en las que las imágenes ilustraban lo que las personas decían. Posteriormente, a finales de la década de los 90, recibió otro encargo, una película sobre el cine portugués realizado entre 1930 y 1945. Este film sirvió a Susana de Sousa Díaz para conocer la historia de su país en paralelo con la propia historia del cine portugués. Pero también supuso su primer contacto con los archivos de la época de Salazar. En este archivo de películas de propaganda producido por el régimen PIDE-DGC, Policía Internacional y de Defensa del Estado, Dirección General de Seguridad, Susana de Sousa Díaz descubrió una serie de fotografías de prisioneros resistentes. Estos materiales serán los que darán lugar a una obra de casi un único tema, como ocurre parcialmente con el cine de Claude Lanzmann. Es decir, el trabajo de Susana de Sousa Díaz está relacionado con lo que podríamos llamar el cine de la exploración, una especie de proceso exponencial que se alargará durante una serie de años de vida. Es importante recordar que este es también el tema de su tesis doctoral. La cineasta se propone dar forma a lo que, en cierto modo, y vista de manera prolongada, se extendería como una historia épica, en el sentido de que encontramos varios capítulos en desarrollo donde cada uno evoca a los anteriores. Así ocurre con las películas que Susana ha hecho hasta ahora, Proceso Crime 141-53, Naturaleza Morta y Luz Obscura. Proceso Crime 141-53, realizada en el año 2000, es su primera película centrada en el régimen de Salazar. En ella, varias personas hablan a cámara en primeros planos y describen sus experiencias personales. Está ilustrada con material de archivo y se centra en la historia de un grupo de enfermeras que luchan para mejorar sus condiciones de vida. Naturaleza Morta, realizada en 2003, es un intento de transformar las imágenes que habían sido producidas para promover la estabilidad de la dictadura en un ataque contra la propia dictadura. Del Polo al Ecuatore, de Yervan Genikian y Angela Riccielucci, una película importante del cine de archivo le sirvió de inspiración. En Naturaleza Morta, las fotografías policiales son un motivo crucial, de la misma manera que va a ocurrir en 48. Los 14 prisioneros políticos entrevistados en 48 hablan sobre las imágenes. Mientras les escuchamos, vemos fotografías filmadas, primeros planos de cada una de estas 14 personas.
Por lo tanto, el primer problema que se hubo de enfrentar, al que se hubo de enfrentar Susana, consistía en cómo realizar una película en movimiento a partir de una serie de fotos fijas. Había comenzado a pensar en la película en 2003 y se filmó entre 2007 y 2009. En ese intervalo, el por entonces nuevo director del archivo aplicó una política de derechos de imagen. La nueva situación, entonces, era la siguiente. Los prisioneros, que habían sido víctimas del régimen, dado que la legislación solo permitía la reproducción de imágenes de personalidades públicas, se convertían así también en víctimas del archivo, o en víctimas del archivo, de los archivos o del archivo, cuya finalidad se supone que era la difusión de esas imágenes. Pero eso mismo, los sujetos que no eran reconocidos en tanto que sujetos históricos, los sujetos no eran reconocidos en tanto que sujetos históricos si sus imágenes no se difundían. Quedaban reducidos, una vez más, al anonimato y lo informe. Ante esta nueva situación institucional, ¿de qué manera sería posible trabajar? Por un lado, Susana de Sousa Díaz podía acceder a esos álbumes de fotos, pero sin embargo no tenía derecho a tocarlos. El nombre de cada una de las personas retratadas se encontraba en el reverso de cada fotografía, las cuales no podía girar. El nombre, por otro lado, contaba con una serie de documentos sin imágenes, por lo que para buscar a los prisioneros y contactar con ellos debía establecer una correspondencia entre texto e imagen. Tras un complicado proceso de localización en el que acabó encontrando a las personas que aparecen en la película, la cineasta organizó una serie de encuentros en los que habló con ellos, les entrevistó y en algún momento les mostró sus fotografías. Algunos veían estas fotos por primera vez en ese momento, por lo que la cineasta les preguntó si recordaban el instante en el que fue tomada la fotografía, al igual que compartió con ellos otras observaciones sobre sus gestos, la ropa que usaban, muchas veces para esconder sus heridas, algunos rasgos físicos, un bigote, una calvicie y sobre todo sus expresiones. Algunos presos habían pasado varios años sin ver la luz del sol. Ya que no podían huir de la captura de la foto, muchos de ellos intentaron escapar de los gestos codificados. De ahí la presencia de lo que se conoce como índices de resistencia. Una mujer que tendrá que cargar durante años con el peso de su sonrisa en el momento en que la foto fue tomada. O algunos prisioneros que aprietan los labios y extravían la mirada, buscando devolver posibles muecas indóciles frente al dispositivo, tratando así de impedir que luego pudieran identificarles como víctimas. Como ha dicho Celeste Araujo, en 48, entre las fotos que vemos y lo que ocurrió, hay un abismo que afecta la naturaleza de la imagen. Muchos de los prisioneros no reconocen su pelo canoso, su aspecto físico en la imagen, incluso no se reconocen a sí mismos. Puesto que la memoria parece carecer de información sobre algunas de las fotografías, nos preguntamos, ¿qué identidad intentó fijar la policía con estas fotos? Ofreciéndolas en tanto que pruebas, la policía siembra una desconfianza en la imagen como documento. Así, Susana de Sousa Díaz acumuló 100 horas de entrevistas, que fue transcribiendo y montando. El proceso, en esta parte del trabajo, consistió en desnudar los discursos, evitando las construcciones, o lo que es lo mismo, en llegar a un núcleo, en entrar de forma directa en el terreno de la memoria y la duda. Las entrevistas, filmadas en vídeo, en planos fijos y frontales, provocaban un conflicto entre la metodología y la estética elegida. Corrían el peligro de convertirse en un dispositivo transmisor de palabras y discurso. Como la voz podía borrar parcialmente las expresiones y las expresiones podían borrar la voz, la cineasta decidió conservar de estas entrevistas únicamente el sonido y comenzó a trabajar en una serie de lugares sonoros: el ruido de una silla, un reloj, un claxon, la ropa frotándose, la respiración, un suspiro, una pausa. De este modo, Susana de Sousa Díaz consiguió devolver los cuerpos al presente y trabajar en una serie de tiempos heterogéneos, confrontando al espectador con el antiguo prisionero, con la persona retratada en la foto y no con la persona del presente. Si desde el presente se hablara del pasado, las fotos se convertirían en una ilustración. En cambio, conservando solo la voz, las fotos pasan a formar parte del presente, entre otras cosas porque la cineasta evitó mezclar los testimonios, impidiendo así cualquier intercambio en su orden y optando por que cada persona hablara una sola vez.
El tiempo que permanece cada imagen en la pantalla, unos 8 minutos elegidos entre 6 horas de grabación, viene determinado por la duración de los recuerdos. Por eso se tiene la impresión de que estuviésemos escuchando una serie de monólogos. Durante las entrevistas, los prisioneros hablan de sus derechos, de sus condiciones laborales, de los interrogatorios, de las traiciones o de las colonias. Al final del proceso, Susana de Sousa Díaz viajó a Mozambique, puesto que sabía que en las excolonias las torturas eran mucho más crueles. Sin embargo, allí se encontró con que no existían imágenes de los miembros de los movimientos de liberación, por lo que decidió correr el riesgo de trabajar únicamente a partir de los testimonios, ya que se debe asumir que existen hechos que no cuentan con una imagen. A la evidencia del registro se añade su contrario, la falta de archivo, personas que ni siquiera cuentan con una historia escrita. Bien, ahora sí que os dejo con Susana. Gracias. Bon, merci beaucoup pour cette présentation. Je voudrais tout d'abord... je dois mettre la lumière un petit peu. Je voudrais commencer par remercier Marina Vinhas et aussi pour le texte, Francisco, pour l'invitation et aussi toute la direction du séminaire. C'est un plaisir d'être ici avec vous et de pouvoir partager mes réflexions. Malheureusement, comme le français, je ne parle pas ni catalan ni espagnol, et comme le français n'est pas ma langue maternelle, je dois lire. Et je vais commencer par expliquer les titres des ordres vocaux et configurations narratives enregistrés en témoin, tout en présentant le cadre de mon intervention. Quand je me réfère à l'enregistrement d'un témoin, je considère deux moments. Le moment du tournage, c'est-à-dire de l'enregistrement à travers une caméra et ou un micro. C'est le moment où se produit le témoignage, le moment de captation de la parole qui est produite d'une façon plus ordonnée ou moins ordonnée. Et l'ensemble du processus d'interaction entre la personne qui filme et la personne qui est filmée. Et un deuxième moment, celui du montage, c'est-à-dire du récit dans sa forme finale, tel qu'il va apparaître dans les films. Il s'agit de lui donner une configuration, non seulement interne, mais aussi insérée dans les films comme un tout. Et il est très important de distinguer ces phases, car elles soulèvent des questions tout à fait différentes. Il y a ici deux niveaux d'action du cinéaste ou de l'artiste, et c'est justement la tension entre les deux qui m'intéresse. D'une part, nous devons considérer la façon de capter le témoignage et de faire naître la parole. Lorsque nous tournons, nous donnons à la parole un statut complètement différent de celui qui est capté en direct, in situ. Nous provoquons délibérément un témoignage, et c'est un témoignage dont la personne sait qu'il sera enregistré et diffusé. Bon, au moins, la plupart du temps, ce n'est pas sûrement le cas de lancement avec Sohomel, comme on a vu hier, et beaucoup d'autres cas. Et d'un autre côté, il y a un deuxième niveau d'action, c'est la façon d'utiliser ce témoignage. Qu'est-ce qu'on va voir ou entendre finalement sur l'écran? Que reste-t-il de la parole telle qu'elle a été produite? Quels sont, par exemple, les changements d'ordre, comme hier nous avait parlé Arturo Lozano. Je pense que derrière ces deux niveaux d'action et des choix que nous faisons en tant que cinéaste et artiste, il y a toujours implicite une idée de ce que c'est un témoignage et du rôle que le cinéaste attribue au témoin, même si, s'il ou elle, le cinéaste, n'est pas entièrement conscient de ça. Dans mon cas, je peux dire que j'ai réfléchi beaucoup à cette question, surtout quand j'étais en train de faire 48. Donc 48, Marina, dans le texte de Francisco, a parlé avec détail du processus de réalisation.
Et comme elle a dit, 48, c'est un film basé sur des photographies d'identité judiciaire et sur les témoignages de 16 prisonniers politiques. Il est centré sur les mécanismes de répression de l'État et a comme fil rouge la torture. Et je peux dire que mes films partent d'une réflexion sur la dictature portugaise, une dictature qui a duré 48 années, des 1926 jusqu'à 1974, et sur les images qu'elle a produites ou qui ont été produites à cause des conditions créées par celle-ci. Mais ce sont des histoires ou des situations produites au Portugal, au sein des anciennes colonies, mais qui constituent une base pour penser des traits communs à des généralités des systèmes autoritaires et de leurs mécanismes d'autoperpétuation. En ce sens, mes films cherchent aussi à réfléchir sur des aspects qui sont transversaux à tous les systèmes autoritaires et aussi au présent. Et je peux situer la genèse de mon film à mon premier entretien avec une ancienne prisonnière, Conceição Matos. Le texte de Francisco a expliqué pourquoi j'ai dû parler en ce moment avec les prisonniers, c'était la question de l'autorisation. Et pendant la conversation, en regardant une copie de sa photographie, Conceição Matos m'a dit « Avez-vous remarqué comme je suis totalement décoiffée ? On peut même voir le duvet qui commence à pousser sur les lèvres. » Et ensuite, elle m'a expliqué que la photographie n'avait été prise que 17 jours après son arrestation. Et j'ai compris aussi, parce qu'elle m'a raconté que les vêtements qu'elle portait, un pullover clair et une chemise foncée, étaient les mêmes avec lesquels les agents de la police politique ont nettoyé le sol plein d'excréments pendant sa torture. Et c'était à ce moment-là que j'ai compris que je n'étais pas uniquement en train de voir la photographie d'une femme, un portrait capté et figé dans un instant de passé, mais que j'étais devant un objet vraiment complexe, imprégné de temps, qui laissait entrevoir une sorte de connaissance en lui-même. Et ces images ont une dimension temporelle multiple. Elles peuvent nous renvoyer à l'époque de la prison, donc c'est une façon de rentrer dans un endroit où on ne peut pas voir rien. Mais elles peuvent aussi nous renvoyer à des temps plus reculés, par exemple les temps de la clandestinité des résistants. Et on va voir un exemple. Je vais vous montrer après un petit extrait du film. Mais aussi, on a des images qui se rapportent à la durée même de la dictature. Il y a des images des parents, d'enfants, des grands-parents qui ont été emprisonnés, de plusieurs générations de la même famille qui ont été emprisonnées, ou dans d'autres cas, comme on peut voir dans l'image, des situations d'arrestation successives au cours des années de la même personne. D'ailleurs, ces images reflètent toute la société, vêtements, poses, expressions, tout nous parle d'un temps vécu sous la dictature. Et ce sont aussi des images puissantes d'un point de vue symbolique. Elles marquent le passage du statut d'individu à celui de prisonnier politique. C'est la performativité de la photographie que parlait hier Vincent. Et en plus, si on analyse les conditions de capture de ce type d'image, nous vérifions qu'elles mettent en marche tout un système de force à caractère éminemment répressif. Non seulement le photographier est un client forcé, et l'expression est de Bertillon, obligé à des contraintes d'ordre corporel, mais le photographe lui-même doit lui aussi obéir aux conditions des réalisations du portrait qui passent par un ensemble de règles très rigides, pose, éclairage, distance, cadrage, etc. En vérité, nous sommes toujours devant un portrait forcé et malgré son apparente neutralité, nous sommes devant des images fermement codées du point de vue technique, esthétique et aussi idéologique. Je vais montrer un extrait du film.
presa em casa a primeira vez e a segunda vez foi presa na companhia. Aquilo devia estar a fazer muitas prisões nesse dia. Levaram-me de elétrico. Queriam que eu pagasse o bilhete. E eu comecei a falar alto, era o que faltava, sou preso e ainda tenho que pagar bilhete. Esta fotografia. Pois é, é assim, exatamente. Por debaixo do sobretudo tenho um blusão. É exatamente isso. Por debaixo do sobretudo tenho um blusão. E eu ia, portanto, se vou levar muita pancada, peraí, deixa-me vestir a preceito. Isto é uma coisa pateta, porque evidentemente eles se quiserem despir déspanos. Mas aquela coisa, portanto, eu vou levar aí umas boas pancadas, mas estou protegido. Esta não me lembro. O que para mim é estranho é que isto é uma fotografia tirada na polícia. Sou eu. Mas não me lembro nada. Nós procurávamos disfarçar o mais possível, andava com uma lâmina e um gilete para todos os dias de manhã rapar, de maneira a que a careca ficasse mais ampla, e aquilo alterava de facto. E fui preso de manhã, e no segundo dia de estar lá na tortura do sono, chega um indivíduo e começa a me olhar para a cabeça. Estava a emergir cabelo, portanto, perceberam que havia ali uma careca muito aumentada. Nós começávamos a ficar doidos, de sono, a bater com a cabeça nas paredes. Os pelos começam a crescer nas mãos, na roupa, por tudo quanto é sítio. Parecemos, parece aquele pelo, a lã das ovelhas. É uma coisa horrorosa. Eu não me apavorei, não tinha que me apavorar, mas não fazia ideia que aquilo acontecia. E depois era branco, depois começou a tornar-se azul e aumentava, dia para dia, quer dizer... Eu tentei uma vez, encostei a cabeça a uma grade e tentei dormir. Também um tipo enorme, mete-me um palito por um ouvido. É que é uma sensação tão horrorosa, é uma coisa tão aflitiva para meter um palito pelo ouvido do sujeito dentro, que eu agarrei o gosto e disse, faltas a fazer isso, arrebento contigo. E ele só me disse isto. Tem paciência, eu não te posso deixar dormir. Uh,
Avant de me centrer sur des aspects plus spécifiques de la question des témoins et du témoignage, je voudrais soulever une question qui a été mentionnée hier, la question de la victime. En général, les gens de mon film ne se définissent pas comme des victimes, bien au contraire. Une personne avec qui j'ai parlé pour Luz Obscura, mon dernier film, m'a donné son témoignage et à la fin, elle m'a dit qu'elle avait une demande à faire. Et la demande était expressément que je ne la montre pas comme une victime. Et dans 48, l'un des témoins, Domingos Abrantes, parle d'un aspect qui à l'époque m'a beaucoup surpris, le pouvoir du prisonnier, c'est-à-dire la tentative de vaincre la condition des victimes. Il mentionne deux aspects, le pouvoir de ne pas parler sous la torture. Il dit qu'ils ont le pouvoir de nous torturer, de nous tabasser, de nous priver de sommeil, mais nous, nous avons un pouvoir unique qu'ils n'ont pas, qui est le pouvoir de nous parler. Et le pouvoir de la maîtrise de l'expression faciale quand ils se font photographier. Francisco a mentionné cet aspect aussi dans son texte. Il dit, bon, ce qui est frappant ici, c'est la sale tête que je fais, ce sont ces mots. Ça ne plaisait pas du tout aux policiers, mais nous avons aussi ce pouvoir. On ne peut pas échapper à la photo, mais notre tête, c'est nous qui la choisissons. Et j'aimerais, à propos de cette question de l'équivalence témoin-victime, qui est devenue courante, d'introduire ainsi un aspect que je considère important. C'est l'oscillation du statut du bourreau et de victime survenue ces dernières années et la banalisation de la torture dans la société contemporaine. Et les deux choses, à mon avis, sont connectées. Après l'11 de septembre et la politique antiterroriste menée par Bush, on a assisté à de nombreuses tentatives de réintroduire la torture dans le droit. Et récemment, Donald Trump a ravivé le sujet en exprimant l'intention d'adopter à nouveau le waterboarding. Et on a assisté aussi au retour du corps flagellé dans le domaine quotidien, non seulement par les images de la torture pratiquée dans le contexte de conflits armés, largement diffusées par les médias et les réseaux sociaux, mais également dans les jeux vidéo, dans les feuilletons télévisés, dans les programmes de grande consommation. Et l'un des aspects qui ressort le plus dans cette conjoncture est, en plus de la réhabilitation idéologique de la torture, l'oscillation des notions de victime et de bourreau. Je pense que tout le monde connaît la série 24 heures. C'était le moment télévisé qui a donné naissance à une réhabilitation de la figure du bourreau. Zizek parle d'un nouveau paradigme, celui du tortionnaire noble. Et d'autre part, et par des voies distantes, la notion des victimes a également souffert une redéfinition. Elle s'est diluée et a acquis des sens parfois contraires aux originaux. Le mot s'est aujourd'hui banalisé à un tel point qu'à la limite, nous pouvons dire que tout le monde est victime de quelque chose. Et ce nivellement de la notion par la célébration de son statut plutôt que dans son état, implique que l'on ne s'intéresse plus aux causes pour lesquelles les victimes ont lutté. Enzo Traverso mentionne cette question avec une fermeté particulière. Des combattants, par exemple, des camps opposés, peuvent être célébrés côté à côté, leur mémoire en tant que sujet politique étant éclipsée. Et on arrive au point de pouvoir effacer la victime en tant que sujet politique. Et pour moi, ça, c'est une chose vraiment problématique. Donc, pour moi, la question centrale n'est pas de donner voix à la victime parce qu'elle est une victime tout court. Pour moi, la question ici est de donner la voix à ceux qui ne l'ont pas. Mais il ne s'agit pas seulement de travailler ce qu'on voit ou qu'on entend dans les films, mais aussi, surtout, ce qui rend possible ce qu'on voit et ce qu'on entend. Et mon travail avec les témoins et avec les images des prisonniers de la police politique s'en sert dans ce contexte. Et 48 naît précisément de deux lacunes, l'absence d'images et des mots que nous révèle ce que s'est passé en prison,
S'il est vrai que les rapports officiels des événements produits pendant cette période se trouvent préservés dans les archives de la PIDE-DGS, il est également vrai que les mots des prisonniers qui y figurent sont des mots tronqués, censurés, parfois autocensurés. Ils sont aussi réécrits parfois par la main de la police politique elle-même. Et on sait que la police mentait pour obtenir dans les tribunaux des condamnations malgré l'absence des preuves. Ce qui figure dans l'archive de la police politique est donc la voix de celle-ci. Ce qui s'inscrit, ce sont ces formulations discursives. Donc il s'agit d'une mémoire légitimée par le propre pouvoir politique. Et le fait d'écouter l'autre côté, c'est une tentative d'aller au-delà de ces lacunes. Et un autre aspect que je voudrais parler, c'est la façon dont je comprends le rôle du témoignage. Habituellement, la valeur du témoignage se trouve dans sa sphère discursive, c'est-à-dire dans les récits qui sont produits, dans les faits qui sont rapportés. Toutefois, il est fondamental de comprendre également de quelle façon ce récit reconstitue les traits de l'événement et ce qui se situe au-delà de ce récit. En ce sens, il est non seulement important de faire attention à la dimension sémantique du mot, mais aussi à la forme sur laquelle celui-ci est dit, mis en suspens ou réduit au silence, ainsi qu'à la singularité de la voix que la prononce et au contexte où cela se fait. Donc, dans mon travail, l'idée n'est pas de reconstituer des histoires passées à travers des discours causaux et linéaires, mais de comprendre comment les événements du passé arrivent au présent et sont encore opérationnels. Le passé objectif est un mythe épistémologique, comme l'a dit Walter Benjamin, un des meilleures références. Et selon Didier Huberman, la vraie révolution copernicienne préconisée par Benjamin a consisté dans le passage du point de vue du passé en tant que fait objectif vers un passé en tant que fait de mémoire. Et 48 s'est construit en tenant compte de cette assumption. Les situations historiques sont présentées au-delà de l'austéricité de l'événement, cherchant à intégrer tout un ensemble de mouvements et de contre-mouvements qui traversent les images et le mot et se rapportent à la quintessence des différentes intemporalités dans un même moment. Ce qui me ramène aux deux moments mentionnés au début de mon intervention, le tournage et le montage. Et l'une des questions énoncées dans le texte de présentation de ce séminaire est comment l'artiste prend position et quel rôle assume-t-il, celui d'interprète, traducteur, facilitateur. En fait, nous sommes tous les trois à la fois. Nous facilitons la production de témoignages au moment du tournage, ou même avant. Dans mon cas, j'ai toujours des entretiens préliminaires, donc c'est une relation qui s'établit dans le temps entre deux personnes. Et aussi au moment du montage, il y a toujours une interprétation, aussi bien que dans un certain sens, une traduction. C'est moi qui choisis ce qui va apparaître dans le montage final et comment. Et cet aspect est autant plus important qu'il ne faut pas oublier, et pour moi ça c'est vraiment une chose très importante, chaque film exige sa forme, et cette forme, elle forme aussi bien le contenu lui-même. À mon avis, dans un film, il n'y a pas de séparation entre forme et contenu. Ce qui est d'autant plus vrai dans un film qui porte sur des questions historiques. Et en ce qui concerne le témoignage, en tant que cinéaste, je peux choisir ce que la personne dit clairement et restaurer ses récits de façon ordonnée, en créer un récit linéaire et causal, en cohérence avec un discours. Je peux aussi l'utiliser comme preuve d'un argument que je veux défendre. Et Bill Nichols, il était très critique à propos de cet aspect et de certaines utilisations des témoignages, ou non. Je peux intégrer des aspects disruptifs du discours.
je peux considérer le témoignage non seulement en tant que porteur d'un discours, mais aussi en tant que voix, et même en tant que voix qui a un corps, et un corps qui est lui-même témoin de quelque chose. Donc j'essaie toujours d'aller au-delà d'idée que la personne en elle-même n'est qu'un médiateur entre l'événement et les paroles qu'il raconte. Donc je prends en compte la personne dans sa complétude physique, le corps perçu ici dans son sens le plus large. Et d'ailleurs, très tôt dans le processus de réalisation du film, et Francisco a mentionné ça, j'ai abandonné les textes des transcriptions des entretiens. Donc les transcriptions sont une procédure commune pour le montage des films qui utilisent de témoignages. On transcrit, bon, il y a beaucoup de cinéastes qui transcrivent les enregistrements et ensuite font un pré-montage à partir du test. Mais pour moi, ce n'est pas possible dans 48, donc j'ai abandonné complètement les transcriptions pour me concentrer sur le vif de témoignage, c'est-à-dire sur l'audition du discours et des paroles. Et cette décision a rendu le processus vraiment beaucoup plus long, mais elle a néanmoins permis toute notre approche au témoignage et à toute la structuration du film. Important l'attention sur les répétitions, les hésitations, les pauses, mais aussi tous les sons émis parallèlement au discours, soupirs, gémissements, différentes cadences de respiration, intonation, modulation. On trouve des formes de communication qui révèlent d'autres niveaux d'information et de connaissances, fournissant aux spectateurs différentes perceptions concernant les expériences narrées. La communication paralinguistique s'est ainsi révélée aussi importante que la communication linguistique. Et de même, l'attention portée sur les choix de mots, en plus que leur insertion dans la phrase et dans le discours, a guidé des choix du montage des récits. Le temps, donc, a été façonné non seulement par le biais de la durée de l'image, mais aussi par les sons et par le silence. Autre aspect important, c'est que le choix du montage du discours en articulation avec l'image, on visait précisément à donner d'espace au récit, afin que ceci ne soit pas soumis simplement à la sphère discursive. Le processus de ralentissement que les images ont subi a ainsi été, dans une certaine mesure, émoulé par le son. J'ai fait une sorte de ralentissement temporel, c'est-à-dire des blocs d'espace et de temps ont été détendus, en rendant possible l'émergence des interstices de discours. Et pour que ce processus soit efficace, il lui est indispensable de laisser vivre dans le temps les mots et les sons les plus humbles. Donc, à travers la sélection et la gestion des phrases et des pauses entre elles, on peut arriver au cœur, et c'était ça que j'essayais, du discours des anciens prisonniers, d'une façon à que le spectateur puisse avoir le temps à l'intérieur du film lui-même pour se rendre compte de ce qu'il voit et entend et de faire attention aux paroles exprimées. Et parfois, cependant, ce mot ne se manifeste pas directement. Quand ils surviennent, elles sont fragmentaires. Je vais montrer un autre extrait du film. Il y a des petits sons, mais ici il n'y a pas une bonne écoute, mais bon. Quando nós estamos a ser torturados e quando nos dizem que vão matar, que tu vais ver o teu filho morto, nós está-se. Eu, a mãe, eu estou a pensar que eu que tinha horror em ficar louca, em enlouquecer, antes disso, eu interiormente pensava, eu quero enlouquecer.
E ao mesmo tempo via-me sentada. Eu não estava sentada, mas eu via-me sentada e via, eu via embalar o meu filho. Eu tinha o meu filho. E, mas eu pensava. E naquela delírio que eu via ao filho, eu dizia. Era tudo lá no seu interior. Eu dizia. Olha, filho, tu vais. Mas outros não viram parar cá. São muitos, são milhares. E vais tu. Mas é quem adora mais os filhos. As mães, não é? E assim como a minha mãe também. Ela estava convencida que me estavam a matar. E ela quase que enlouqueceu. Tive força foi para não ir, que ela não fosse mais longe. E é que eu não quero dizer que eu tinha a tal coisa. Tinha a tal casinha onde as pessoas, onde se urinava e onde. Ela veio muito coisa para minha mãe. Teve quase a suicidar-se. Eu estava sempre com muito cuidado com ela e ninguém soube, só eu. Tratei dela. E depois foi a vez dela tratar de mim que eu tive quase a. Estive quase a morrer. E a minha mãe conseguiu se erguer de saúde, salvando-me a mim. Alice Capella, c'est son nom. Elle parle ici, le sous-titrage casse, parce que c'est très clair, mais pas le discours. Et Alice Capella, elle parle ici de l'épisode de la tentative échouée de suicide de sa mère dans la prison. En fait, qu'elle n'avait pas jamais raconté à personne. Et ce qui m'a impressionnée de plus dans ce cas, c'est le fait qu'Alice raconte l'histoire sans dire la totalité des mots et sans utiliser ce qui expliciterait de façon directe ce qui s'est passé. La substance sonore, autre des informations transmises par les mots et par le rangement dans les discours, devient la véritable matière première, un acquérant souvent une plus grande importance que les informations spécifiques transmises de façon claire et précise. L'information s'appréhende d'une autre façon à travers des gestes paralinguistiques minimes. Et je pense que quand on travaille se dire au-delà de sa forme narrative, au-delà de la complétude et de la description factuelle de l'épisode raconté, le champ s'ouvre et dépasse le seul domaine narratif ou analytique en se libérant d'une simple instrumentalité. Le langage va au-delà de l'aspect informatif, pouvant ainsi être considéré comme geste. Donc, écouter un individu en train de parler et comprendre sa voix comme un geste, et ici ma référence, c'est Agamben, c'est la question de communiquer une communicabilité dans le sens où la langue ne se sépare pas de ce qu'elle révèle. Donc, sa façon de travailler prend une dimension politique qui échappe à l'utilisation technique instrumentale du langage et simultanément du convention cinématographique.
Et c'est pourquoi les bruits produits par le corps des anciens prisonniers, le bruissement des vêtements à cause des mouvements minimes du corps, les sons délicats de l'interaction avec les photographies elles-mêmes, le grincement de chaises où ils sont assises, par exemple, prennent une importance cruciale dans la construction du film. Et en faisant appel uniquement au son, le spectateur peut avoir une perception plus physique et sensorielle de la personne. Et cette manière d'être avec les personnes au présent, dans leur intégralité corporelle et non pas seulement en tant que porteur d'un discours, nous rend plus proche de leur vécu dans les différentes situations qui s'est racontées. Et en fait, je dois faire une petite précision au test de Francisco. Je n'ai pas montré le visage des personnes qui parlent aujourd'hui parce que pour moi, c'était vraiment un impératif politique. Pour moi, la question, c'est de confronter les spectateurs avec les prisonniers politiques et pas avec l'ancien prisonnier politique. Et c'était l'idée initiale du film. Mais c'est vrai que pour moi, c'était aussi une question éthique de savoir si c'était possible, du point de vue éthique, de ne montrer pas le visage des gens qui parlent aujourd'hui. Et c'était au tran de la réalisation du film et des interviews que j'ai compris, non, je n'ai pas besoin de montrer le visage de la personne. Il suffit de la donner à travers tous les sons. Donc ça, le film a acquis sa forme finale. Et pour terminer, j'ai quelques minutes encore. Bon, je vais très rapidement parler de mon dernier film, mais 2 minutes, qui en fait, c'est un film antérieur à 48, mais dont le montage n'a été terminé que des années plus tard. Parce que pendant la réalisation de ce film, je me suis confrontée à un autre aspect des témoignages, c'est le problème d'une figure qui, en termes cinématographiques, a acquis le nom de Talking Heads. Et comme j'ai dit déjà, tout film exige sa forme, une forme qui forme le propre contenu. Ce que nous filmons est une chose, ce qui apparaît et comment en est un autre. Et un témoignage du genre Talking Heads, je vais montrer ici Rui. Oup. Est filmé normalement en plein moyen et gros plan, et la personne qui pose les questions est en général invisible, et les spectateurs se concentrent surtout sur les discours, sur l'information sémantique. Et ce n'est pas par hasard que Talking Heads, tête parlante, et une expression qui élide le visage. Et en effet, l'expression du visage de l'individu qui parle est uniquement accentuée dans des situations précises, surtout quand celui-ci laisse transparaître le pathos qui l'anime. Et au fond, c'est ici la question qui m'intéresse, et c'était dans ce film que cette question m'a été soulevée, et pas à 48, c'est une autre précision que je fais au texte de Francisco, mais c'est pas... Ce n'est pas pendant 48, mais c'est pendant Luz Obscura que je me suis rendu compte qu'à la limite, une interview filmée comporte un paradoxe. Sous certaines conditions, la voix peut faire disparaître le visage, l'expression. Sous d'autres, on a l'inverse, c'est-à-dire ce qui transparaît sur le visage peut effacer ce qui est en train d'être dit. Et pour moi, c'est le paradoxe de l'interview filmée. Et à mon avis, la tentative de surmonter les contraintes de ce dispositif, ce n'est pas un problème pour moi d'un 48, une fois que je ne montre pas la personne. Donc, il n'y a pas cette coupe temporelle. Mais la tentative de surmonter ce dispositif commence par le propre acte de filmer, le temps qu'on donne à la personne pour parler, interrompre ou pas ses réponses. Et j'ai une règle, je n'interromps jamais une personne qui parle. Elle peut parler pendant une heure et elle peut dire des choses que ne m'intéressent pas pour le film, mais c'est une règle. Elle peut dire
tout ce qu'elle veut. Donc, pour moi, c'est vraiment important de donner du temps à la personne. Définir la distance physique pendant l'interview, le genre d'équipe qu'on choisit, les microphones qu'on utilise, tout ça, c'est vraiment très important. Mais aussi la forme qu'on dirige l'entretien, le genre des questions qu'on pose, l'ambiance que l'on crée. Et tous ces facteurs déclenchent les résultats finaux. Et je cherche constamment la clé qui ouvre les portes de la mémoire. Parce que c'est vrai que les mots témoignages ont un côté descriptif considérable et il est parfois difficile de dépasser la barrière du récit construit pour entrer dans la mémoire en acte. Et c'est ce qui m'intéresse le plus et qui convoque, c'est quelque chose qui convoque tout le corps. Donc, si on comprend, bon, je montre la façon. Bon, je parle en même temps. Je pense que je suis à la limite de mon temps. Si on comprend la personne dans son intégralité comme document, et pas seulement les mots émis par celle-ci, dans son intégralité comme pardon, et non, et pas seulement les mots émis par celle-ci, elle cesse d'être un simple médiateur. Le discours n'est donc plus une priorité, l'image n'est plus secondaire, n'est plus réduit aux fonctions qui sont attribuées habituellement à la personne qui a vécu les faits et en a témoigné. La personne s'institue comme document humain et l'expression, c'est de Marcel Ophüls. Et on peut travailler ainsi une sorte de microscopie du témoignage. Et aussi, c'est une sorte de travail sur... c'est travailler une sorte d'archive sensible à partir des archives d'un pouvoir dictatorial. Et ça, ce genre de travail, je considère que est une partie intégrante d'une procédure qui s'inscrit non seulement dans le champ de l'histoire et de la mémoire, mais également dans celui du politique et à l'apparente vision immédiate, totale et transparente des images judiciaires, à le supposer lisibilité intégrale de ce qu'on voit et entend, et on entend, il faut opposer l'image toujours lacunaire et incomplète et le mot dit en conjonction avec le corps, jamais comme entité abstraite. Donc un mot toujours sujet à des tensions et à des résistances de sens. Et c'est en assumant les lacunes, les omissions et les non-dits, mais aussi les corps au-delà des images, dans un contrepoint à la volonté de rationalisation et de visualisation pleine, qu'on peut interroger et retravailler des visions acquises de l'histoire. Merci beaucoup. Si alguna pregunta, tenim, no sé si se sent, sí? Tenim 10 minuts, si hi ha de comentar o de qüestió, abans de passar a la pròxima sessió. Liat? Castellano, en anglès. Ah, sí. En anglès? Sí, o español. O español, español también. Je comprends. Oui, me acuerdo ya, con todos los idiomas. Primero que lo encontré muy interesante tu trabajo y me pareció muy bien al tema y muy bien narrado aquí. Y me preguntaba todo el tiempo qué es el efecto que le hace al cineasta. ¿Cómo te afecta trabajar con estos materiales y con esas decisiones y con esas historias de vida y archivos humanos o documentos humanos? ¿Y cómo te afecta a vos en un proceso tan duro con este tipo de testimonios? Bon, ça m'a fait beaucoup, je peux le dire.
Et c'est pour cette raison, en fait, tout mon travail a commencé quand je suis rentrée pour la première fois dans les archives de la police politique. Et j'ai vu les albums de reconnaissance des prisonniers politiques. Ce sont des très gros albums. Francisco a expliqué très bien dans son texte le problème. Donc, ils sont des très grands albums. Sans nom, uniquement avec des images. Et quand je les ai vus pour la première fois, j'étais absolument choquée par le pouvoir de ces images. Et je ne savais pas même comment parler de ça. Et pour moi, ça est devenu une sorte de mission, de mettre en lumière les histoires des gens qui sont enfuis dans les archives. Mais c'est vrai que c'est chaque interview, chaque session, c'est vraiment très, très difficile à supporter. Une des plus difficiles, c'était, par exemple, ce jeune gamin. J'ai vu l'image et j'ai cherché la personne. Et c'était une des plus difficiles interviews que j'ai fait. Mais j'ai une règle. Je ne pleure jamais quand je suis en train de parler avec les gens. Mais c'est vrai qu'après que j'ai parlé avec lui pour la première fois, j'ai parlé pendant tout le week-end. Mais bon, c'est ça. C'est toujours compliqué, mais on a des règles pour faire notre travail. Oui. Et merci pour ce travail qui, je trouve, est extraordinaire parce qu'elle montre deux choses à la fois. Elle montre aussi les images de bourreaux qui, normalement, et quelque part, on ne les voit pas. Et la façon de votre décision de montrer que l'image des photos que vous avez trouvées, je pense que c'est extraordinaire comment ça montre les deux à la fois. Ouais. Oui, et c'est une des questions parce que toute l'idée c'était de ne montrer pas le visage parce que de cette façon-ci, le spectateur est dans la place du bourreau. Et ça, c'est une place assez confortable parce que c'est le point de vue de bourreau. Je ne sais pas si le spectateur, mais le spectateur, il voit les deux. Il oui. voit aussi la façon que cette photographe qui a pris les photos, celui-là qui a donné la décision comment photographier la personne à l'époque. Oui. Toutes ces personnes, toutes ces décisions, il monte et il est avec nous tout le temps et je trouve extraordinaire. Merci, merci beaucoup. Hola. Hola. Estabas hablando, se me estaba fijando específicamente cuando hablaste de la conexión con el presente, ¿no? Hablaste del 2001, de la vuelta de la tortura. Y mientras veía las imágenes, pensaba específicamente de las olas conservadoras actuales. En Brasil específicamente ahora hay un apoyo a la vuelta de la dictadura. Y para ti como cineasta, ¿cuál es tu manera de trabajar, si te interesa, si trabajas esas cuestiones con imágenes actuales, o sea, con lo que pasa en el presente? O si tu interés está específicamente de reflexionar el presente a partir del pasado. O sea, si la materia presente también te sirve. En ce moment, je travaille uniquement avec les images du passé, mais c'est vrai que ça me commence à intéresser beaucoup. Parce que pour moi, un problème, c'est que cet excès de visualisation, on pense que tout est visible, et ce n'est pas vrai. Donc l'idée qu'on a aujourd'hui, c'est que comme tout est visible, tout est là. Et je pense que ça peut poser des questions vraiment intéressante et importante si on commence à travailler avec
les images actuelles. Pour le moment, je ne fais pas, mais c'est vrai que j'ai beaucoup envie de commencer à travailler sur, sur ces questions-là. Là. Oui. En français ou en espagnol? Ah, français, espagnol, français peut-être. Bon. Bon, merci pour ta conférence, pour ton travail que j'ai trouvé très intéressant. Je voulais te demander si tu as fait quelques recherches sur les photographies des bourreaux, c'est-à-dire la police, qu'est-ce que, s'il y avait une équipe photographique spécifique pour ça, quel type de photographies on faisait et tout ça. Tu as parlé des photos, des témoins, des victimes, et les bureaux, comment on fait les photos et tout la machine pour produire ces documents. Oui, bon, en fait, la machine, c'est assez classique. Il met en place les principes qui ont été systématisés par Bertillon, c'est ça. Donc, je n'ai jamais parler avec un agent de la police politique. On a parlé ici des bourreaux, c'est un travail à faire, mais pour moi, ce n'est pas possible parce que je dois respecter la personne que je filme. Donc, pour moi, je me centre dans ce travail-là et je suis absolument convaincue que les informations qu'ils vont donner, elles sont là déjà. Mais les photographes, c'est une question différente. J'ai demandé qui a pris les photographies. Et il y a des personnes qui m'ont dit que c'était des photographes de la police politique, c'était des agents. Bon, mais en fait, c'est le cadre traditionnel. Mais il y a une autre sorte de photographie. Et là, et c'est une autre chose qui m'intéresse beaucoup. Ces photographies, ce sont aussi des photographies prises par la police politique. Oups, oh là là, je n'arrive pas. Bon, je n'arrive pas à mon. Non, elles sont là, pardon. C'est ici. Ce sont des images prises d'un. Ah, je ne sais pas le nom, Yards, de la police politique. Et c'est tout un autre genre de photographie, et ça m'intéresse beaucoup. Et c'est un travail que je vais commencer aussi à faire, parce que ça dévoile toute notre façon, non seulement de photographier, mais de rapport entre les agents de la police et les personnes incarcérées. Mais bon, c'est ça. Gracias, Susana. En español voy a hablar. Creo que tu trabajo también sintoniza mucho con lo que ayer trabajaban, por ejemplo, Vicente y Arturo, respecto a ciertos usos del testimonio en su dimensión sonora que releva ciertas microoralidades, lo paralingüístico, el canto, por ejemplo, me acordaba de cuando ayer la película con Soa, por ejemplo, el canto de este oficial, sí, de la SS, ¿verdad?, de Suhomel, cómo eso también trabaja una suerte de péndulo que nos lleva a un pasado de una forma mucho más encarnada de alguna manera, ¿no? Como el sonido también en Dutch, por ejemplo, cuando él recuerda, o no solamente recuerda, sino que se sitúa nuevamente realizando el juramento, ¿se acuerdan en la película ayer en Cambodia, etcétera? Y siento que de alguna manera lo que tú trabajas acá también está en esa misma sintonía de la dimensión sonora, ¿verdad? Como inscripción del cuerpo en la imagen, como péndulo temporal entre lo pasado y lo presente. Y quisiera preguntarte, porque yo estoy trabajando estos mismos aspectos de los diarios visuales, los diarios cinematográficos de David Perlov, ¿no? Como también el hipo, la risa, la tos, el canto, ¿no? Y estos aspectos del sonido se encarnan también en una o facilitan la empatía del espectador con una dimensión mucho más emocional y mucho más afectiva, ¿no? Y cómo también el cine o los estudios en general cinematográficos
se encuentran en una deuda enorme respecto a atender, a escuchar nuevamente también las películas y develar todo lo que tienen que ofrecernos desde ese lugar, ¿no? Entonces, en temáticas tan complejas como las que tú trabajas, por ejemplo, ¿no? En el caso de la dictadura y sus testigos, etcétera, ¿cómo sientes tú que esa atención con el sonido, por ejemplo, con el llanto, ¿no? Que se potencia cuando no vemos la imagen? La imagen muchas veces es pornográfica cuando nos muestra a alguien llorando, ¿no? Pero cuando escuchamos el sollozo o el suspiro de esa mujer, o cuando se suenan los mocos, ¿no? Siento que es tan potente emocionalmente. Quisiera preguntarte en esos términos, digamos, o sea, cómo tú vinculas ese trabajo hacia una perspectiva mucho más emocional, más afectiva con esos testigos. C'est vrai que quand j'étais en train de faire les films, je ne pensais pas exactement à la dimension émotive, on dit comme ça, émotive. Pour moi, c'était important de montrer les gens comme ça. Et par exemple, je peux parler de mon dernier film, Los Obscuros, où j'ai interviewé trois enfants d'un ancien prisonnier politique. C'est un film qui porte aussi, qui a comme point de départ les images de la police politique, mais tout le monde est mort. Donc, ce qui reste sont trois enfants. Donc, c'est une sorte, ici c'est différent de 48, c'est une sorte de choc entre les mémoires officielles qu'il y a dans les archives et les mémoires intimes, familiales. Oh mon Dieu, je commence à perdre mon français. Bon, et la chose la plus difficile, c'était de les interviewer parce qu'ils pleuraient tout le temps, mais vraiment tout le temps. Ça m'a étonné beaucoup parce que si on parle avec les parents, ils peuvent pleurer comme vous avez vu, mais il y a une force interne. Et quand j'ai interviewé les enfants, en fait, le dernier personnage de 48 appartient à ce film-là. Je l'ai mis de ce film à là et après j'ai fini celui-ci. C'était comme toutes les mémoires, c'était à fleur la peau, c'était vraiment incroyable. Et une autre chose que pour moi c'était vraiment étonnante, c'est que parfois l'adulte qui parlait se transformait tout d'un coup dans l'enfant et tous les discours se désagréguaient en images. Donc il raconte des situations et après il a quelque chose qui se casse et on voit des images, et il commence à décrire des images. Donc c'était vraiment complexe de travailler, et surtout dans le film, de ne mettre pas à pleurer tout le temps. Donc c'est tout un autre... Pour moi, c'est pas... Il faut faire beaucoup... C'est un travail vraiment délicat. C'est très délicat au moment des entretiens, parce que ça me prend beaucoup de temps pour travailler, parler avec la personne, parce que, par exemple, pour 48... Les entretiens, c'était sur toute la vie de la personne. Et dans un moment, dans la conversation, j'ai montré les photos, mais ce n'est pas arrivé et tiens, je te montre ta photo, parle-moi de la photo. Ce n'est pas comme ça. Donc, c'est un travail vraiment délicat. Et surtout, cette façon d'essayer d'aller aux rencontres de la personne, on ne sait jamais qu'est-ce qu'on va rencontrer. Et on ne sait jamais quelle est la clé qui peut ouvrir la porte de la mémoire. Pour une personne, il y a une chose, et pour un autre, ça peut être autre chose, complètement différent. Donc il faut toujours chercher. C'est un travail très délicat. Et aussi dans le montage, parce qu'on doit faire attention. Et bon, pour moi, le problème ici, c'est vraiment de ne mettre pas les gens en pleurant tout le moment. Donc ce n'est pas exactement la dimension émotive, mais vraiment l'émotion et l'affect ont une importance cruciale. Ouais. Ho deixem aquí, després podem seguir continuant durant la pausa i passem on passa a la següent presentació d'Eliette Benavides. Merci.